One is one shot. Man is one shot. Go. He's one shot. Hey yo l'équipe, c'est Rookie. Aujourd'hui, petit gameplay avec la SMG Enveloppe Larkman, qui est une SMG de MW2 et qui récemment a vu un kit de conversion sortir qui en fait transforme cette SMG qui à la base tire en rafale de 3 balles en tir automatique. Et en termes de design, on dirait carrément en fait la MP5 de Cold War. Et franchement, elle est pas trop mal. Moi j'ai bien aimé. Hein. Donc là, c'est le kit Jack Decimator qui donc du coup transforme cette SMG en tir automatique. Donc ça diminue les dégâts, mais ça augmente la vitesse des balles, la portée des dégâts, la cadence de tir forcément. Ça augmente un peu le recul, mais elle en a pas tellement au final. Donc moi j'ai mis le maximum de cartouches, 50 cartouches. J'ai mis le garde-main DR6 pour tout ce qui est mobilité, vitesse de sprint, tout ça c'est important. Le canon grapple 670 mm pour tout ce qui est contrôle du recul, vitesse des balles, portée des dégâts. Ainsi que le laser Kimura Rail 33 pour optimiser la vitesse de visée. Puisqu'en réalité la poignée arrière, la bouche sont bloquées. Les munitions, il n'y a pas grand chose d'intéressant pour être honnête. Et puis après, bah... il reste lunettes et crosses. Alors les crosses, pas intéressant, moyennement intéressant, voire pas du tout intéressant. Là c'est pareil, et là ça augmente beaucoup le recul, alors j'ai pas osé la mettre. Et je trouve que la mire de base est sympa, donc j'ai pas voulu mettre de lunettes. Voilà voilà, kiffez bien le gameplay, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Let's go baby! Let's...